Donc moi c'est Quentin Blanc, je suis la quatrième génération. J'ai repris la gérance depuis début d'année de la scierie Blanc qui existe depuis 1929, qui a été créée par mon arrière-grand-père à la Chapelle en Vercors. Au fil du temps, elle a déménagé à Saint-Laurent-en-Royans, à Pont-en-Royans, à Romans-sur-Isère, jusqu'à pour venir ici en 2005 à Marche, où on a commencé à de plus en plus se développer. Avant, on faisait entre 1,5 million et 2 millions de chiffres d'affaires. Cette année, on devrait peut-être atteindre les 10 millions de chiffres d'affaires pour 30 personnes. Donc derrière, on a deux lignes de découpe, on va dire, parce que dedans, on a deux lignes de sillage. On a une ligne de sillage petit bois, où on va faire tout ce qui est produit standard pour le négoce. Et on aura la ligne débit sur liste, où on fait au ruban. Là, ça va être tout ce qui est produit spécifique. La ligne petit bois, on va faire de 3 mètres à 7 mètres maximum, alors que lui, à côté, il pourra faire de 2 mètres à 14 mètres. Donc là, lui, il peut faire jusqu'à 7 produits en un passage. Nous, on a une provenance 100% française, déjà. Et puis 100% Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne. On est certifié Bois des Alpes, on est certifié Bois de France pour tout ce qui est traçabilité. On fait uniquement du résineux, sapin, épicéa, douglas. Donc on achète beaucoup sur le Vercors, Vercors-Isère, Vercors-Drôme, tout ce qui est Chartreuse aussi. On achète aussi un peu dans la Loire, Haute-Loire, le Rhône. À la scierie, là, on scie sur notre ligne de sillage ruban jusqu'à 1 mètre maximum de diamètre, longueur 14 mètres. Et sur la ligne de sillage circulaire, on est limité à 30 cm. Après, diamètre fin bout, nous, on se limite à 18 cm aussi. Et demain, on voudrait scier que des gros bois, avec sillage circulaire et sillage ruban. Tout est vraiment tout retrié par l'eau et par transporteur. Parce que comme on paye au mètre cube, il peut y avoir plusieurs transporteurs sur une même coupe. Les scieurs qui ferment beaucoup, c'est parce qu'ils partent à la retraite et il n'y a personne derrière pour reprendre. Donc nous, la chance qu'on a, c'est que moi, je suis encore derrière pour reprendre la scierie. Sinon, je pense que mes parents auraient vendu s'il n'y avait personne. Il faut grossir, il faut se développer. Nous, on a su s'informatiser, on a su investir au bon moment. L'année passée, on a fait 32 000 mètres cubes de sillage. Ça fait à peu près 60 000, 65 000 mètres cubes de grume. Et là, on a prévu d'ici fin 2024 de passer à 120 000.